Aujourd'hui, dans le cadre de Sur la route des golfs, on vous fait découvrir notre club de golf partenaire, le club de golf Manoir des Sables, situé dans les cantons d'Orford. Bonne écoute! Avec son hôtel de 140 chambres et suite et son restaurant, le golf Manoir des Sables est votre destination d'escapade. Club de golf Manoir des Sables, normal 71, parcours de 18 trous, situé dans la belle région d'Orford. On vous présente ce merveilleux parcours partenaire de FlexiGolf à l'instant. Une chance qu'ici, je me suis posé la question, je prends-tu un club de plus? J'ai même pris un club de plus. Ça veut dire que j'avais rien haut. Des beaux verres, ça roule toujours bien. On est maintenant au trou numéro 6 avec Christian Lavallée. Merci Christian de prendre ton temps avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir, Marie-Pierre. C'est nouvellement un poste pour toi cette année, je crois, au golf. Deuxième année en tant que directeur des opérations golf. Super. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Un défi pour le golf? Un passionné? Ben moi, je suis issu du milieu de la restauration. J'ai travaillé dans des clubs de golf privés par le passé en tant que directeur de restauration. Puis c'est un milieu qui m'a toujours plu, intéressé. Je trouve qu'on a une belle clientèle dans le milieu du golf. Les gens sont toujours de bonne humeur. La clientèle loisir est toujours le fun à travailler avec. Exactement. Hein? La restauration, c'est un très beau milieu aussi. Cependant, c'est de plus en plus difficile. Donc, j'ai décidé de me réorienter là, en tant que gestionnaire là, dans un club de golf. C'est cool. Puis quel bel endroit pour te réorienter, te ressourcer. Ben on peut pas demander de mieux. Oui, moi, j'ai déménagé ici il y a une dizaine d'années dans la région de Magog-Offord. Puis je suis venu retrouver ma douce, que mon ancien amour du secondaire. Puis je suis très, très heureux. C'est une belle région, les cantons de l'Est, spécialement ici dans la région de Manfred-Magog. On est bien, puis on est près de tout en même temps. Ben oui, c'est assez central. Puis dis-moi, le golf Manoir des Sables, c'est quel type de terrain? Ben, il a déjà été considéré comme de type championnat, puisqu'on a toutes les installations pour accueillir des tournois avec notre hôtel de 140 chambres et suites. Moi, j'appelle plutôt ça un terrain de type villégiature. Donc, les gens viennent ici, il y a un peu toutes sortes d'activités qu'ils peuvent retrouver dans la région, pas seulement le golf. Il y a la montagne. Vous avez un spa aussi, je pense, ici? Oui, nous, on a un spa, on a un lac privé aussi. Puis, il y a la nature, les sentiers. Oui, tennis aussi. Puis nous, on a nouvellement aménagé le terrain de tennis en pickleball. OK. Oui, c'est la nouvelle tendance. C'est la nouvelle tendance. Il faut suivre la mode. Exactement. On est charmé par le terrain Manoir des Sables. C'est en pleine nature. On a vu des beaux papillons tantôt qui ont circulé. Puis là, tu nous as amené au trou numéro 6. 6, oui. C'est une normale 4? C'est ça? C'est une normal 4 qui est quand même... permissive. Oui. Il y a de l'espace, sauf qu'il ne faut pas trop essayer de traverser le ruisseau. Ouais. Okay. Nous, on l'appelle signature parce que bon, on a une belle vue sur la montagne, le Mont Ferd. On a de splendides vues montagneuses ici, mais le terrain est traversé par un ruisseau qui se termine au lac. Donc ici, on a la fin du ruisseau. Oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcours qui sont sillonnés par la rivière. C'est assez serré, c'est assez étroit. Oui. Mais c'est parfait pour nous parce qu'on aime ça faire de la commandite flexigolf, laisser des balles traîner un peu partout. Fait que si je vais trouver des balles flexigolf, ça va être peut-être nous dans un tournage. Ben non, c'est pas vrai. Mais on va aller se mettre au défi aujourd'hui. Puis là, on va essayer, je sais pas c'est quoi le plan de match, soit on traverse, soit on traverse pas. On est mieux de pas traverser. C'est un terrain qu'il faut jouer vraiment target. Là, okay. On joue le terrain. Puis, message reçu, comme on dit. Voilà. Message reçu, on va voir si on a des bons coups ou des pas bons coups.
C'est une belle balle. Elle passe le ravin. D'accord, tu ne voulais pas passer le ravin? Elle est tombée juste avant le ravin. Non, elle est dans le ravin. Elle est tombée sur le pont direct. Elle est peut-être l'autre bord. Deux balles perdues. Adios. Une flexigolf, j'espère? Non, même pas. Une ECR Callaway. Ben, tu sais, tu vois, Marie-Pierre, c'est exactement ici qu'il fallait se placer. Oui, exactement. Fait qu'on va prendre ta balle. OK. Parce que tu as joué un très bon coup. Félicitations. Fait que ici, on est à 100 verges sur les rouges. Un coup de pitching wedge sans forcer. T'es déçu? Ça, la pizza, comme on dit. Satisfait de ton coup? Ouais, ça va, je suis bien satisfait. Non. Bon, mais on prend la crissée encore une fois. Vois-tu, moi, j'ai pas la chance d'en faire parce que je suis pas tombée sur le verre. Ils sont très beaux. Oui. Wouh! J'ai sauvé mon honneur. Va falloir ta tasse, ben je m'en vais drette là. Ouais, c'est ça. Très beau coup. C'est beau. C'est quasiment deux guillemets. C'est ça qu'on dit que jouer au golf, c'est pour le plaisir de jouer. Puis je vous souhaite de venir avoir du plaisir ici au Manoir des Sables. Ah, c'est la place pour. C'est la place pour, oh, oui. La montagne, la nature, puis surtout un accueil chaleureux. Parce que pour de vrai, Christian, c'est vraiment apprécié jouer au golf avec toi aujourd'hui. Jouer notre trou ensemble. Et surtout l'accueil à la boutique. Je pense que depuis que tu es arrivé, je pense que tu veux mettre un service à l'accueil qui est chaleureux. Oui, c'est très puis important, c'est là, la satisfaction du client, puis qu'il parte du bon pied, là, qu'il y ait un bon service en partant. Puis, C'est déjà assez dur jouer au golf. Et si l'accueil est pas le fun, imagines-tu notre game? L'objectif, c'est de rendre ça heureux. Puis, félicitations. Puis, c'est une belle saison. Puis on va venir jouer un vrai 18 bientôt. Ben, vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup. Merci, Christian. Merci. Hey, c'est ça, gimme, ça, hein, gang? À quand qu'elle pogne la pin, puis qu'elle rentre, qu'elle ressort, c'est vraiment un gimme. Ça, je vous donne, là. Fait que, bogey girl, elle a pas fait un bogey. C'est un gimme. C'est un gimme. C'est décidé. Nouvelle règle, quand ça pogne la pin, ça sort de même, dans ma live, dans mon livre à moi, c'est un gimme.
une belle partie de golf. Ici, au Manoir des Sables, c'est votre destination cet été, un parcours à découvrir dans une magnifique région de Orford, en Estrie. La nature vous appelle, mais surtout le golf. Maintenant, on vous montre qu'est-ce qu'il y a à faire ici à Orford après votre escapade au Manoir des Sables. Si vous voulez agrémenter votre après-partie au Manoir des Sables avec encore plus de nature, bien ici au Parc national du Morford, c'est pour vous. Vous avez des sentiers, du fat bike, également des lacs avec des plages accessibles au public. Bien évidemment, il faut payer son droit d'entrée CEPAC, mais c'est un beau parcours de milliers de kilomètres à découvrir. Vous cherchez un endroit pour venir déjeuner avant votre partie ou après votre séjour. Ici, à la Mid-Orford de derrière moi, c'est votre endroit et c'est surtout la recommandation de Christian Lavallée, directeur général du Manoir des Sables. Pourquoi que c'est populaire, en fait? Parce qu'on a des produits maison tels les confitures, du beurre d'érable, du pain. Bref, c'est votre endroit et c'est votre destination. Vous l'avez vu et constaté, le club de golf Manoir des Sables est une destination à mettre dans votre agenda de golf cet été, tant pour le parcours de golf que pour sa région d'Orford. En prime, vous êtes à quelques minutes de Magog pour bien terminer votre escapade. On se dit à la prochaine épisode.